usage chez Minalogic. J'ai eu l'opportunité avec dans le cadre de la fusion d'Imaginov dans Minalogic d'apporter un projet qui s'appelait Centaurin, donc c'est un et qui est en lien avec l'ONU Space, d'où l'intérêt aussi de constituer une communauté autour des enjeux du dit New Space et de déjà de vous présenter un petit peu tout ce contexte du pourquoi aujourd'hui ce webinaire et du pourquoi cette série de webinaires qu'on envisage de mettre en place. De manière à étoffer un petit peu cette présentation, je tiens à remercier Frédéric Adania, qui est conseiller développement économique solutions spatiales au CNES, et Christelle Astor-Lépine, qui est programme manager de Connect by CNES, de m'accompagner dans ce premier webinaire et de partager avec vous un petit peu différents aspects d'aujourd'hui dans ce qui se passe sur le spatial en France. Tout d'abord aussi, nous excuser un petit peu pour le délai avec lequel on démarre ce webinaire. On a eu quelques petits soucis techniques avec Frédéric et Christelle. J'espère qu'on arrivera sans problème à avoir une présentation de qualité aujourd'hui. Donc, pour revenir un petit peu sur le contexte de ce webinaire et revenir un petit peu aux éléments de base, vous avez pu voir que le webinaire, même s'il est organisé par Minalogic et piloté par Minalogic, il est avec le soutien de différents pôles et clusters. Il s'inscrit dans une plus spécifiquement du booster Centaurin. Donc la démarche du CoSpace, c'est une initiative qui a été lancée au niveau du ministère de l'enseignement dans le supérieur et de la recherche en 2013, avec la volonté surtout de favoriser un petit peu le regroupement de différents acteurs en lien avec le spatial et de proposer une roadmap technologique de prendre en compte le développement d'applications autour du spatial. Pardon, excusez-moi, j'ai perdu la voilà, présentation. Du coup, de développer les applicatifs, la partie applicative dans le domaine du spatial, on verra que c'est en lien avec ce qu'on entend par le New Space. Et puis d'apporter tout un accompagnement au niveau de la vision d'une filière du spatial et une orientation plus stratégique. Aujourd'hui, au niveau du CoSpace, il y a eu une restructuration un petit peu de l'organisation de ce comité. Je laisserai Frédéric en parler un petit peu tout à l'heure et évoquer cela, notamment à travers différents points. Comme vous en doutez, la situation du Covid et la crise sanitaire a redéfini aussi des plans de relance. Donc, on aura une présentation faite par Frédéric sur ce point-là. La mise en place d'un observatoire de l'économie spatiale qui aujourd'hui est en cours et qui est animé aussi par différents acteurs au sein du CoSpace. Donc, à l'issue du, enfin, dans le cadre de ce CoSpace, il y a eu des initiatives qui ont été lancées, notamment celle qui nous concerne aujourd'hui, qui a été le lancement de deux appels à manifestation d'intérêt à destination des pôles de compétitivité afin de créer des boosters. L'enjeu et le pourquoi de cette initiative, ça a été notamment la volonté de répondre à un constat qui est que les plus gros utilisateurs des données open source fournies par les programmes européens sont aujourd'hui les GAFA. Et donc, l'idée était de favoriser l'émergence ou le soutien des initiatives, enfin de PME notamment, innovantes et les amener à réfléchir sur des nouveaux usages et des exploitations de ces données. Pour ça, il y a eu deux appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés à destination des pôles. Donc, une première phase qui a permis la création de quatre boosters et logiquement portés par quatre régions très aérospatiales. Avec Sophie Antipolis notamment, Toulouse, Brest et la Bretagne pour tous les aspects militaires et marins, et puis la région parisienne. La deuxième vague a permis de faire émerger trois autres boosters, notamment en Alsace-Lorraine et en Guyane,
logiquement. Et le dernier, qui est le booster Centaura pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. La mission des boosters, c'est de créer un écosystème favorable à l'émergence de nouvelles innovations, que ce soit en termes de services ou en traitement de données, pour des nouveaux usages et de favoriser, et c'est pour ça que les pôles de compétitivité ont été ciblés et les clusters dans ce genre d'appel à manifestation d'intérêt, c'est de faire globalement l'activité que fait au quotidien ce genre de structure, donc de détecter des projets innovants et de les accompagner à la fois dans le financement de ces projets et dans le développement commercial une fois les projets aboutis. Donc le projet, le dépôt qui a été effectué pour le compte de la région a permis d'être labellisé, d'obtenir un booster CoSpace Centaura. Donc avec un consortium qui est constitué, comme le demandait l'AMI, de trois grandes compétences sur la partie digitale, donc minalogique. Sur la partie spatiale, on a le Centre spatial universitaire de Grenoble et Aerospace Cluster Aura pour la dimension plus industrielle et économique, le CGU qui est plus sur la partie académique et de formation. Et le troisième pilier qui est aussi toute la complexité, d'où la nécessité aussi d'avoir des consortiums assez hétérogènes, c'était de favoriser l'émergence de nouveaux usages. Donc, afin de répondre à ces besoins, on s'est associé avec les pôles de compétitivité CIM pour tout ce qui est question de mobilité, VGPolis Valley pour tout ce qui est en lien avec l'agritech, Indura pour tout ce qui est infrastructure et gestion des risques de ces infrastructures notamment, le cluster montagne pour l'aménagement en montagne du territoire et le cluster lumière pour des gestions d'éclairage et puis de pollution lumineuse. Donc voilà, de ce consortium est sorti dans le dossier deux grands thèmes qui ont été retenus par le CoSpace. Donc c'est la connaissance et la préservation de la planète et l'aménagement du territoire, enfin le territoire, la connaissance du territoire et son aménagement. Lors du dépôt, on a eu un support à la candidature relativement fort, non seulement de la région elle-même, mais aussi de tous les acteurs, que ce soit académiques ou industriels, aussi bien de Clermont que d'Annecy, que de Lyon à l'Ardèche, avec la Grotte Chauvet, le SMERG. Et donc, on avait un écosystème extrêmement riche aussi et qui correspond dans sa diversité aux forces de la région. Comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure en filigrane, le projet était initialement porté par Imaginov, qui était le pôle de compétitivité sur les industries culturelles et créatives. Donc, le positionnement avait déjà aussi une singularité par rapport à d'autres boosters. C'est le fait de focaliser aussi sur l'approche par les contenus. Par contenu, on entend jeux vidéo, films, documentaires, outils de formation, etc., réalité virtuelle ou quiz, etc. Donc, il y avait toute cette dimension de contenu qui était extrêmement importante. Ça a d'ailleurs été un intérêt exprimé par le CoSpace directement lors de la candidature. Le deuxième point, c'est tout le traitement de la donnée. On verra, je vous aborderai très rapidement sur l'importance de cette dimension-là au niveau de quelques slides après. Toutes des compétences aussi sur la connaissance et sur les sciences autour de la Terre et de l'espace. Donc, non seulement, comme on l'a pu voir avec le CESUG, mais aussi avec des laboratoires spécialisés en astronomie ou en astrophysique. La présence aussi d'un certain nombre de planétariums et de CSTI, qui sont aussi des instruments de médiation et voire d'outils de vulgarisation et de partage d'informations. Et puis, tout un écosystème qui est plus classiquement et peut-être plus identifié au niveau des nanosatellites, notamment avec le CESUG, mais surtout sur la partie métrologie avec toute la dualité sensor-sensor, mais tous les capteurs possibles et inimaginables dans la région, notamment de Grenoble, et compétente. Donc voilà, sans oublier bien sûr l'écosystème d'Aerospace Cluster qui est aussi composé d'acteurs de l'aéronautique et l'aérospatiale, mais plus sur une dimension industrielle de fournisseurs de pièces, notamment pour tout le matériel aéronautique et spatial. Très rapidement, comment définir le New Space? Il faut voir au niveau de l'origine du New Space, c'est plutôt une émergence d'un terme qui est apparu comme
assez souvent aux États-Unis, donc avec l'ouverture d'un système légal beaucoup plus favorable à la commercialisation de l'industrie spatiale, qui a ouvert à de nouveaux acteurs du privé notamment la possibilité de rentrer dans les activités spatiales qui étaient beaucoup plus réservées traditionnellement aux grandes institutions étatiques ou continentales. De cette privatisation de l'accès à l'espace est émergé notamment des acteurs de la Silicon Valley. Vous en avez déjà vu et entendu parler, je ne vais pas revenir sur cette dimension-là. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, la dimension du New Space, elle est surtout caractérisée par les possibilités d'innovation, notamment autour des nouvelles technologies. Et l'innovation se fait beaucoup à partir des technologies qu'on voit aussi extrêmement d'actualité pour tout ce qui est l'industrie 4.0, l'intégration ou la réflexion autour de l'intelligence artificielle et dans le développement aussi de nouvelles approches sur les nanotechnologies. Donc on avait un basculement aussi, une évolution en tout cas d'usage traditionnel comme l'observation de la Terre, l'étude de l'univers ou l'exploration du système solaire, la validation de concepts technologiques ou la capacité à voir comment l'être humain est capable d'évoluer dans un espace, enfin dans l'espace tout simplement, à des nouveaux usages qui sont beaucoup plus larges et qui offrent des potentialités de développement, notamment en termes de business, beaucoup plus forts. Donc là, on a vu émerger aussi des plateformes justement autour des données spatiales et notamment de l'imagerie satellitaire. On voit aussi très fortement se développer actuellement une offre de services autour des lancements, donc de pouvoir louer des espaces dans les fusées ou dans les lanceurs et sur la station orbitale, ainsi de suite. Et donc, on voit jusqu'à des perspectives aussi aujourd'hui ou qui paraissent très futuristes, comme l'expédition sur la Lune ou sur Mars ou sur du tourisme spatial ou le concept de garage spatial. Mais c'est des choses qui se préparent dès maintenant et qui aboutiront d'ici une dizaine d'années. Comme je disais, un des éléments forts est la donnée. On voit surtout, si on essaie de distinguer un petit peu la typologie de ces données, on est sur des données à la fois de géolocalisation, donc notamment en référence au programme Galileo, de données géospatiales européennes, tout ce qui va être l'imagerie satellitaire, donc qui peut être aussi complété par de l'image fournie par des drones et autres, ou de systèmes volant ultra léger, donc là qui fait référence au programme Copernicus avec les satellites Sentinel, entre autres. Le deuxième aspect que j'évoquais aussi, et c'est notamment en lien avec les nanosatellites, donc les nanosatellites étant des satellites, comme on l'a dit, beaucoup plus petits et qui avaient plutôt vocation initialement à être envoyés pour les laboratoires de recherche, mais aujourd'hui qui s'est démocratisé en un sens et surtout privatisé, qui permet aujourd'hui d'élargir un petit peu le scope des projets, donc avec la couverture universelle Internet qui est en filigrane, mais surtout qui permet aussi d'intégrer des nouveaux capteurs et d'identifier peut-être des nouvelles sources de données ou des possibilités de réflexion sur de nouveaux capteurs ou senseurs sur ce type d'appareil. Et enfin, dernière source de données qui peut être en lien avec le broadcast, donc toutes les informations qui peuvent transiter par satellite et donc tout ce qui va déterminer aussi tous les enjeux en termes de cybersécurité ou transfert de nouvelles technologies comme on peut l'avoir avec l'informatique quantique. Voilà, pour dire tout simplement qu'au niveau de l'enjeu de la data, c'est aussi tout le traitement de ce process de la donnée qui va devenir un des enjeux forts et dans lequel il sera très important aussi d'être, je dirais, bien entouré ou de comprendre un petit peu ce qu'il est possible de faire de manière en amont pour ceux qui créent les technologies comme pour ceux en aval qui vont être les utilisateurs potentiellement de ces nouvelles données. Donc là, c'était pour un peu illustrer la complexité des différentes étapes et puis surtout l'émergence de plateformes qui ont plutôt vocation à synthétiser ces données et à leur donner, je dirais, une forme exploitable. Juste deux petites slides pour finir, avant de passer la main à mes amis du CNES, pour illustrer un petit peu, ne serait-ce que pour l'imagerie ou la représentation visuelle en termes d'imagerie, on
on est déjà sur des modes de visualisation qui peuvent être complètement différents en fonction du capteur que l'on utilise et fournir un type d'information, qu'elle soit en 2D ou en 3D, ou qu'elle soit basée sur de la thermographie ou sur de l'analyse de spectral. Enfin, un des gros enjeux aussi, ça va être la création de nouveaux outils. Donc là, c'était pour illustrer un petit peu sur des modes de représentation et la data visualisation qui va être aussi au cœur je dirais, de ce new space tout simplement, et de voir comment on peut apporter des nouvelles approches ou démocratiser l'usage de l'information et de son accès et de sa mise en forme en fonction des besoins qui seront exprimés. Je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai été suffisamment clair autour du co-space, des boosters et puis de la volonté d'innover avec les boosters. Pour rappel, vous avez la possibilité de poser des questions par chat. Il n'y a pas d'interaction audio. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Au fil de l'eau, on y répondra avec Christelle et Frédéric. Tout au long on se laissera un petit peu de temps aussi à la fin si y a un flux de questions suffisamment important pour qu'on puisse y répondre. Voilà, je vais passer la main maintenant à Frédéric qui va revenir un petit peu sur le New Space dans un premier temps et sur une vision plus macro et une approche plus marketing, on va dire, et rentrer un petit peu aussi dans les programmes, dans ce qui se passe aujourd'hui et dans lequel le CNES est pilote. Frédéric, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu as la possibilité? Frédéric. David, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Est-ce que tu peux enchaîner, Frédéric? Oui, est-ce que tu m'entends, David? Oui, je t'entends très bien. Tu m'entends, toi? Ah, pardon, voilà, je pensais que. Oui, je vous entends parfaitement et je pensais que vous ne m'entendiez pas. Ok, ben, donc merci beaucoup. Donc je vais vous présenter moi trois volets. Donc d'abord, suite à cette introduction faite par David sur le New Space, donc les chiffres de l'économie spatiale, on va dire. Ensuite, je vais vous parler de l'observatoire de l'économie spatiale qu'on a mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, mais qui va se prolonger au-delà de la crise parce que c'est très important d'avoir cet observatoire. Et ensuite, je vous dirai deux mots du plan de relance, avec aussi là quelques chiffres. Alors, est-ce que j'ai la main pour passer les planches? Oui, ça a l'air de marcher. Donc, les chiffres du spatial. Donc, c'est des planches que j'ai piquées à ma collègue. Hein. Je ne m'occupe pas particulièrement de ce sujet-là, mais bon, je vais quand même vous en parler. Donc, ce qu'on dit, c'est que comme l'a expliqué David, hein, il y a une vraie transformation du domaine spatial, il y a une démystification, une désacralisation du spatial, qui jusque-là était très étatique, régalien, etc. Et maintenant, on voit bien que ça devient un espace économique, je veux dire, comme les autres, c'est une technique comme les autres. Et puis, bon, ça a démarré aux États-Unis, mais en France et en Europe aussi, on voit bien des nouveaux acteurs qui arrivent et qui ne se posent pas la question de savoir si c'est régalien ou pas. Il faut faire des satellites, il faut en faire 2000, 3000, ben faisons-les. C'est quoi le modèle économique? Voilà la bonne question. C'est quoi le modèle économique? Voilà. Ça profite de l'explosion du digital aussi, comme l'a dit David, que ce soit pour les télécoms, parce que bien entendu, tout ce qui est télécom peut également passer par satellite. La géolocalisation, dans tous nos smartphones, on a 1 million d'applications, voire plus, et la moitié utilise la géolocalisation, hein, ce qu'on appelle le GPS, mais c'est le GNSS pour être plus générique et englobé Galileo. Et l'imagerie, bien entendu, explose aussi grâce à la puissance de stockage et de calcul du cloud, et donc à la baisse des coûts notamment. Et donc, comme l'a dit David, l'imagerie va exploser, enfin, en tout cas, on le pense. Donc voilà, le spatial devient, on va dire, un secteur économique comme les autres qui se désacralise, voilà, c'est ça qu'on peut dire.
et avec une baisse des coûts importante dans tous les domaines, y compris bien sûr l'accès à l'espace. Alors, quelques chiffres. Donc, déjà, le nombre de pays ou d'organismes qui possèdent des capacités spatiales, il y en a 80, et dont 12 qui possèdent même un accès indépendant à l'espace, c'est-à-dire des capacités de lancer les satellites. C'est assez incroyable et ça évolue encore rapidement. Le nombre de. Hop, j'appuie pas sur les bons boutons. Le nombre de pays qui possèdent une agence spatiale, donc c'est 55, et ce qu'on peut constater, c'est que ça évolue. Ce n'est pas simplement 55 parce qu'il y a une époque, c'était très important, régalien, il fallait avoir son agence spatiale. Non, non, c'est quelque chose qui évolue. Donc la Belgique, par exemple, il y a 2 ans, a créé une agence spatiale et il s'en crée à peu près une par an dans le monde. Et donc ça montre bien l'importance du spatial. Et puis on peut même dire qu'il y a un lien, bon, j'en ai parlé du lien avec le numérique, mais il y a aussi un lien avec la défense. Et on commence à parler de défense dans l'espace. Hein. Les Américains ont carrément créé une nouvelle arme, donc c'est le spatial. Et en France, on a renommé l'armée de l'air en l'armée de l'air et de l'espace. Vous voyez, c'est pas une tendance, c'est une vraie tendance positive. Voilà. Ensuite, les budgets. Donc, si on regarde le budget américain, bien sûr, c'est toujours le plus important, 23 milliards d'euros, de dollars, pardon, c'est en euros, 23 milliards d'euros par an. Ensuite, avant, il y avait la Russie, mais en ce moment, ça a beaucoup baissé. Là, c'est la Chine qui monte en flèche avec 11 milliards d'euros, à peu près la moitié. Et l'Europe, 8 milliards d'euros. Ça paraît pas beaucoup, mais on fait de très belles choses avec ces 8 milliards d'euros. Et vous voyez que là-dedans, la France a quasiment un tiers et l'Allemagne un quart, à peu près un petit quart. Oui, c'est juste pour avoir des ordres de grandeur. Hein. Là, c'est le budget du CNES, je ne vais pas détailler, mais comme vous aurez les planches, vous aurez le temps de les lire. Je ne pense pas que ce soit utile de le détailler lors de cette séance. Pour se rapprocher de la France et de l'Europe, alors on peut voir que l'économie spatiale en Europe est plutôt performante, hein, en France et en Europe, mais ça reste fragile. Comme l'a dit David, les gros acteurs sont quand même aux États-Unis, ils ont des moyens d'action qu'on n'a pas, des budgets qu'on n'a pas, mais on a quand même une industrie spatiale très forte, notamment en France. Vous voyez les chiffres, hein, de l'emploi en Europe. En France, c'est 20 000 emplois pour le spatial, bon, ce qui n'est pas non plus énorme, ça correspond à un hôpital d'une ville moyenne, hein, ce n'est pas énorme, bien. Et 43 000 emplois en Europe. Si on regarde les ventes que ça représente, c'est à peu près 4 milliards 2 en France et 8 milliards en Europe. Vous voyez que la France, c'est quand même un bon pourcentage des ventes européennes. Et surtout, l'export, c'est quasiment que la France qui fait l'export, puisque c'est 1,8 milliard sur 2 milliards pour l'Europe. Vous voyez, la France, très forte culture spatiale et qui se confirme. L'Allemagne montant en puissance et avec l'Italie. Ensuite, donc, planche très intéressante sur l'économie, on va dire, du secteur spatial, le chiffre d'affaires lié au spatial. Et on a tous en tête que le spatial, c'est cher, que les satellites sont chers, que les fusées et les lancements sont chers, et que c'est ça qui représente le coût principal. Et en fait, pas du tout. Si on regarde ce tableau qui regroupe tout, hein, bien entendu, c'est les satellites, les lanceurs, les services, les équipements, hein, les récepteurs GPS, les récepteurs de vision par satellite, etc. Les services, l'homme dans l'espace, les services de sécurité aussi, hein, qui utilisent le spatial. Et on voit qu'en gros, alors quand même le gros, hein, du marché, c'est quand même les télécoms. Il ne faut pas se voiler la face, c'est les télécoms, c'est la télé par satellite, c'est le téléphone par satellite. C'est ça qui fait le gros du budget, c'est à peu près la moitié. En équipement et en service. On va en parler plus tard, mais l'observation de la Terre est en train de, j'allais dire, d'exploser. Enfin, en tout cas, il y a une très forte mutation sur l'observation de la Terre. Pourtant, ce n'est pas récent. L'observation de la Terre, ça date de 1972. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais hein, voilà, il y a plein de constellations de satellites, de nanosatellites. Il y a plein de projets qui voient le jour. Et vu la puissance de calcul et de stockage qui est aussi dans les coûts, baisse et les performances augmentent, eh bien on envisage, on voit apparaître une espèce d'explosion de l'observation de la Terre dans ce monde-là. Sachant que jusqu'à maintenant, c'était surtout les télécoms. Il y a aussi beaucoup de services liés à la géolocalisation, mais là, en fait, les systèmes spatiaux sont gratuits, hein, que ce soit le GPS ou Galileo, c'est plutôt les systèmes, les récepteurs, les cartes, ce qu'on appelle les GPS, hein, qui font le coup. Donc vous voyez que, alors je ne sais pas si vous le voyez très bien, il y a deux petits, alors il y a un grand tiers en bleu, un grand tiers en vert, un autre tiers en gris, et entre les deux, il y a un peu de, je sais pas, jaune-vert, et puis un bleu très foncé, violet. Eh bien, il y en a un, c'est les satellites, et l'autre, les lanceurs. Vous voyez que la somme des deux, ça fait moins de 5% du total. C'est assez incroyable. C'est pas du tout ça qu'on a comme vision. On a l'impression que ce qui coûte cher, c'est les satellites et les lanceurs. En fait, ce n'est qu'un tout petit bout.
de l'économie du spatial. Et donc, comme l'a dit David, eh bien, ce qu'on appelle le New Space, où avant on avait plutôt une tendance à faire de l'infrastructure. Hein, on achetait des lanceurs, enfin il fallait avoir de toute façon un lanceur, un accès indépendant à l'espace, c'est ce qu'a fait l'Europe avec Ariane, le programme Ariane. Il fallait des satellites, y compris des satellites d'observation de la Terre, même si ce n'était pas rentable. Il fallait ça. C'était vraiment de l'achat patrimonial de capacité, de l'infrastructure. Maintenant, on est vraiment dans une logique de service. Regardez Elon Musk qui dit, bon, je veux faire un système de télécommunication Internet spatial, combien de satellites il faut? Il en faut 800, il en faut 4000, il en faut 42 000. Bon, ben ok, combien ça coûte? Voilà la question. Combien ça coûte? C'est pas. Nous, au CNES, on dit, ben non, mais c'est juste pas possible de lancer 42 000 satellites. Parce qu'on n'est pas câblé comme ça. Mais on lui dit, ben, combien ça coûte? Et si le modèle économique est là, ben go, quoi. Voilà, c'est un vrai changement de paradigme et c'est ça qu'il faut retenir. Il faut quand même noter que même s'il y a l'arrivée de nouveaux acteurs privé, il faut quand même voir que 80% de la commande, hein, enfin pardon, du budget vient de la commande publique. C'est quand même les agences spatiales ou les États qui sont quand même les clients, même s'il y a des acteurs privés. Donc 80% reste de la commande publique. Donc là, c'est une carte avec pas mal de nouveaux acteurs. Bon, je ne vais pas détailler. Ce qui fait plaisir à voir, c'est quand même pas mal de Français là-dedans, notamment dans la ligne Data Analytics et Imagerie. Donc EarthCube, c'est français. Iodine, c'est français. Kairos, c'est français. Geoflex, c'est français. Il y a un Descartes ici, mais celui-là est américain. Mais il y a un Descartes Underwriting qui fait de l'assurance indicielle qui est français. Enfin bon, voilà, il y a quand même pas mal de Français là-dedans. Alors, quelques perspectives pour aller très vite et après, je vous parlerai d'un autre sujet. Donc, le tourisme spatial et le transport spatial, là c'est plutôt les Américains qui sont en pointe et qui en parlent le plus, mais bon voilà, donc ça revient, j'allais dire, à l'ordre du jour. L'observation de la Terre, comme je vous l'ai dit, ça explose. Il y a énormément de projets américains, chinois, dans tous les sens, qui voient le jour. Est-ce que tout ça va vraiment exploser comme on pense? On ne sait pas, mais en tout cas, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était vraiment les télécoms qui faisaient le marché. Là maintenant, l'observation de la Terre quand même prend de plus en plus d'importance. Avec bien sûr des services associés. Il ne s'agit pas simplement de lancer le satellite, c'est parce qu'il y a un service et donc un marché associé. David en a parlé, on voit des SmallSat, des micro-lanceurs, bien sûr l'Internet par satellite, on en a parlé, il y a plein de projets. OneWeb, bon, qui est un petit peu en difficulté, mais Starlink, le projet de Elon Musk, Kuiper, qui est le projet d'Amazon. Nous, en France, on a Kinéis. Bon, il y a plein de projets d'Internet et d'IoT par satellite. Et encore une fois, la question, c'est est-ce qu'il y a un modèle économique, hein, tout simplement. Et puis, le dernier slide sur le sujet, donc c'est la Lune. On parle d'installer une base permanente sur la Lune qui servira à la fois à exploiter donc les différents minéraux et les ressources qui sont sur la Lune, mais aussi ça servirait de base pour aller plus loin. Et on pense bien sûr à Mars. Alors, l'Observatoire de l'économie spatiale. Donc, comme je vous le disais, c'était dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons, en urgence un petit peu. On a mis en place cet Observatoire de l'économie spatiale pour un petit peu mesurer l'impact de la crise sur les acteurs du spatial. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait nous tout seuls, le CNES, mais on l'a fait avec les pôles de compétitivité, les différents boosters, les incubateurs, donc le réseau ESABIC, et avec les régions. Donc, on a mis en place des réunions hebdomadaires. Et puis, on avait donc une remontée d'informations de la part de tous ces pôles, boosters et autres de leurs membres pour voir quels étaient les impacts. Les impacts qu'on a vus a priori, c'était que les entreprises qui faisaient de l'infrastructure spatiale étaient touchées directement et de plein fouet, puisque bien entendu, ils ne pouvaient plus accéder à leur site de production et donc ils ont été touchés très rapidement. Et donc, on a dû mettre en place des plans, on va dire, pour les soutenir, donc soit des soutiens de trésorerie, soit des confirmations des commandes publiques, des choses comme ça pour éviter donc de mettre la clé sous la porte. Inversement, les entreprises qui étaient dans le service, elles, enfin, au début, en tout cas, ne souffraient pas, puisque les commandes étaient toujours là. Par contre, elles étaient très inquiètes pour la suite. Elles se sont dit, par la suite, eh ben, est-ce qu'on aura toujours des commandes? On n'arrive plus à contacter nos clients, il n'y a plus de séminaires, etc., où on pouvait les rencontrer, les démarcher. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et donc, nous avons mis en place, on a organisé des webinaires, un petit peu comme aujourd'hui, qu'on a appelé Connect with Space. Et donc, ça permettait donc à certains acteurs de continuer à faire du réseautage, à rencontrer leurs clients pour les entreprises qui offraient les services. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, hein, que ce soit le CNES, l'ESA, etc., ont très rapidement confirmé toutes leurs commandes auprès des industriels. Et puis, on a fait aussi
comment dire, des informations sur la politique achat du CNES, comment avoir des commandes publiques de la part du CNES. Donc le CNES a joué son rôle pour soutenir l'économie comme on a pu. Et comme je vous le disais, cet observatoire d'économie spatiale que l'on coordonne avec l'ensemble des pôles et des boosters, il va continuer à exister puisqu'on trouve que c'est une très bonne idée d'avoir cette remontée de l'écosystème aval du spatial, enfin aval enfin, du spatial en général. Quelques mots sur le plan de relance au niveau national et régional. Donc au niveau national, il y a deux volets. Il y a un volet purement spatial de 365 millions d'euros sur 2 ans. Donc c'est, comme je l'ai dit, un peu de soutien en trésorerie dans un premier temps et en fonds propres. Mais c'est aussi une stimulation de la recherche et de l'innovation. Le gouvernement a dit, ben, tant qu'à donner de l'argent, autant que vous en serviez pour innover, pour être encore plus performant, augmenter votre compétitivité. Et donc ils ont cité un certain nombre de projets, de technologies sur lesquels ils souhaitent que les industries spatiales travaillent, comme l'hydrogène vert, comme les charges utiles flexibles pour les télécoms, comme la communication par laser, toutes les technologies qui permettent d'avoir des miroirs, donc là on parle d'observation de la Terre, donc de tout ce qui est polissage des miroirs, enfin, il y a plein de technologies associées, donc là aussi de la recherche, et puis l'optique adaptative. Donc, c'est quelques exemples qui ont été cités dans le plan de relance, mais il y en a d'autres. Donc bah, l'idée c'est de profiter de ce plan de relance pour faire en plus de recherche et d'innovation. Il y a un autre volet qui est les technologies duales, donc civil et militaire, du spatial. Là, c'est plus une opération, on va dire, coup de poing, c'est 130 millions d'euros sur 1 année seulement. Donc, bien entendu, l'idée, c'est d'avoir un secteur spatial, civil et militaire encore plus compétitif, avec un très fort soutien à l'emploi et à l'export, pour éviter donc que la crise ne fasse trop de dégâts, on va dire. Et puis, ça permet aussi de soutenir la filière du New Space, celle dont nous parlions un instant, avec des nouveaux acteurs, et un certain nombre de projets qui étaient dans les cartons et donc qui sont clairement soutenus par le gouvernement. Donc Castor, j'avoue, je ne sais plus, je crois que c'est le télécom. CO3D, c'est de l'observation optique stéréo, en relief. NET, c'est de l'écoute. IODA, c'est de l'observation des débris spatiaux. Kinéi, c'est de l'IoT. Bien sûr, l'intelligence artificielle qui est un peu un structurant pour tout ça. Et puis, je l'ai mis parce que ça vous concerne directement. Donc, il y a des territoires qui sont directement concernés par ce dernier volet-là, qui sont l'Occitanie, le sud de PACA, enfin la région sud, et la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est donc directement concernée, puisqu'il y a pas mal d'acteurs dans votre région. Alors, le plan de relance se décline aussi au niveau régional. Donc, il y a des régions qui ont décidé d'elles-mêmes de mettre en place des plans de relance avec des volets spatiaux. Donc, c'est le cas de la région Occitanie, qui a mis un plan en place donc, pour l'industrie spatiale de 9 millions d'euros. Je n'en connais pas les détails. Et en Nouvelle-Aquitaine, ils ont créé une initiative qui s'appelle Space Hub, qui est liée à la mobilité spatiale. Alors, la mobilité spatiale, ce n'est pas que l'utilisation du GNSS ou de Galileo, c'est aussi donc vraiment des solutions spatiales, donc des capsules de rentrée, de la surveillance des débris, des lanceurs de nanosat, de la propulsion laser. Bref, c'est vraiment de la mobilité dans l'espace. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre région. J'ai pas eu d'informations. Alors, au CNES, on voulait. Alors, j'ai parlé du plan de relance tout à l'heure. Si je peux juste dire un petit mot là, sur cet aspect-là. En fait, il n'y a pas eu de plan de relance typiquement spécial. Il y a une approche par rapport à l'aéronautique et l'aérospatiale de manière globale, mais pas forcément. Je n'ai pas forcément les chiffres ou les infos. Je ne sais pas si Frédéric Antras, qui est le directeur du cluster, a des infos qu'il peut partager via le chat. Mais enfin, voilà, on est aussi beaucoup je sais que l'aéronautique et l'aérospatiale au niveau de la région est pris en compte par notre président et que tout l'intérêt du booster aussi, c'est de rapprocher les ambitions régionales avec un peu cette mouvance nationale. J'ai déjà commencé à faire des rapprochements, notamment entre la région et le CNES, pour favoriser un petit peu toutes ces démarches et cette visibilité-là. OK. Donc, je continue? Ouais. Oui. Donc, alors, vous avez vu, donc, je vous ai présenté le plan de relance au niveau national. Donc, en fait, il ne comporte pas de volet aval, hein, c'est-à-dire sur les services ou sur les entreprises qui utilisent les solutions spatiales ou les technologies spatiales. Donc, c'est vraiment plus pour les maîtres d'œuvre ou les équipementiers. Et donc, on s'est dit, nous, au CNES, que ça manquait. Surtout l'équipe là, dans laquelle nous sommes, c'est celle et moi, où on s'occupe essentiellement donc d'aval. Et donc, on s'est dit qu'on allait, avec, toujours pareil, avec nos
partenaires des différents pôles, boosters et autres, on s'est dit qu'on allait mettre en place nous-mêmes un plan de relance qu'on a appelé plan de rebond pour ne pas les confondre, qui est vraiment orienté aval du spatial. Et donc l'idée était d'avoir, pour que ce soit rapide, choisir des triptyques, on avait choisi une trentaine, donc un triptyque entre une entreprise qui est capable de fournir un service, donc le service lui-même qui était utile pour une collectivité en particulier, et donc des collectivités, des établissements publics qui étaient prêts à acheter ces services. Et donc pour aller vite et puis éviter les procédures achats longues, etc., tout ça était entre guillemets supervisé par le CNES, les pôles, les boosters, de façon à ce qu'ils se portent garants, si vous voulez, qu'il n'y ait pas de magouilles entre copains, enfin bref, ça, que c'était des vrais services, que c'était vraiment utile, que c'était des vraies entreprises, qui étaient capables de les fournir, etc. Donc c'était garanti, j'allais dire, par ces organismes-là. Bon, il se trouve que c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Je crois que notre directeur souhaite que les régions mettent un petit peu d'argent, mais les régions nous ont répondu qu'elles n'avaient jamais mis de l'argent. Bref, c'est un petit peu compliqué. Donc, je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire ce plan de rebond rapidement. Donc, on est plutôt en train de réfléchir à mettre en place un plan de rebond, mais qui va plutôt se transformer en initiative plus pérenne de soutien à l'économie aval. Donc, avec toujours cette même idée d'associer, des entreprises capables de fournir des services et des collectivités qui ont besoin de ces services. Tout ça, entre guillemets, garanti par le CNES, les boosters, et supervisé par tous ces gens, ces organismes-là. Donc, c'est ça l'idée. Voilà, donc, notre idée était de faire un plan de rebond aval, mais qui va se transformer en plan de soutien plutôt sur le long terme. Voilà, donc je ne sais pas si je suis allé très très vite ou pas trop vite. Non, c'est Donc, si vous avez parfait. des questions, n'hésitez pas. Donc, pour rebondir à ce qu'on disait sur la région, donc merci Frédéric pour ta contribution. Pas de mesures spécifiques pour le spatial en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais des dispositifs multifilières. Voilà pour la réalité régionale locale. Quant à la question de Madame Jandel, comment identifier des pré-projets ou soumettre des idées autour de cette dynamique, je propose de reporter la réponse un petit peu plus tard. J'aborderai ces aspects-là. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui pourrait s'adresser à ce que vient de dire Frédéric. Sinon, on va pouvoir préparer le lancement de la vidéo pour Christelle. Ok, en tout cas, je reste Présenter. en ligne, donc s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. N'hésite. Voilà, je laisse la place à Christelle. Le CA n'est pas impliqué dans les acteurs régionaux sur le spatial. Ça dépend à quel niveau on parle d'impliqué aussi, bien sûr. Il y a des projets en lien avec le spatial par rapport au CEA. Maintenant, toute l'implication, voilà. J'aborderai aussi la question de l'implication par rapport à la démarche du booster. Pour répondre à la question de Timothée Sylvestre, du CEA, justement. Du coup, on peut passer la main à Christelle. Pour parler de Connect Backness, est-ce que Christelle, est-ce qu'on peut t'entendre déjà? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu m'entends, Christelle? Du coup, nous, on ne t'entend pas, ce qui va être plutôt problématique. Du coup, est-ce que Frédéric, tu vas avoir la possibilité de prendre la main? Alors, je crois que vous aviez une vidéo. Oui. Alors, si c'est une vidéo des planches, oui, je pense que je peux en parler en attendant que Christelle nous rejoigne par téléphone. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est quoi? C'est des planches ou une vidéo que vous Il y avait les voyez? deux. Les deux? Je crois que la vidéo était dans la planche, hein, mais on peut la lancer aussi, Ah. si besoin était. Pour Bah, susciter, écoutez, ce que je propose, c'est la première, de commencer la de les présentation. lancer. Oui, ok, je peux faire l'introduction, puis Christelle va nous rejoindre, il n'y a pas de souci.
Donc, Connect by CNES, donc c'est une initiative du CNES pour, comme son nom l'indique, connecter le spatial au non spatial. L'idée, c'est que, alors c'est le cas de la planche suivante, hein, c'est que le CNES est bien connu pour ses différents métiers, à savoir concevoir des lanceurs, concevoir des satellites dans certains domaines comme la science, la défense aussi, l'observationnaire, les télécoms. Dans les télécoms, on met la localisation. Bref, donc ça, c'est le métier historique du CNES, en gros, c'est de concevoir des systèmes spatiaux. Parce que ça répond à des besoins, parce que bien sûr, en amont, on a consulté les différents utilisateurs pour savoir quels étaient leurs besoins. On consultait beaucoup les scientifiques et la défense, et on se rend compte que ben, il y en a d'autres, notamment les acteurs économiques. Donc, on écoute beaucoup plus aujourd'hui, et Connect by CNES nous permet de les écouter. Mais ce qu'on se dit ici, c'est que c'est bien de faire des satellites et étudier tout ça, mais c'est encore mieux si ça sert. Donc, on n'était pas inquiet, ça servait déjà, donc notamment ces deux communautés scientifiques et de militaires, mais on voudrait que ça serve beaucoup plus. Le volet, on va dire économique, les différents secteurs économiques qui sont hors spatial. Et quand on rencontrait ces gens-là, et bien souvent, ils sont ravis hein, qu'on fasse du spatial, parce qu'ils connaissent tous Thomas Pesquet, les rovers qu'on envoie sur Mars ou autres. Ils connaissent tout ça par cœur et ils se disent qu'en tant que citoyens et contribuables, ils sont très heureux qu'il y ait du spatial et que ça sert pour les scientifiques, pour la planète, tant de choses. Mais ils ne se sont pas vraiment concernés. Ils ne sont pas concernés parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils utilisent au quotidien du spatial, des solutions spatiales, et que ça pourrait leur apporter encore plus. Et donc, sur cette planche-là, que vous voyez, en fait, il y a plein d'applications. Si je prends les bateaux de croisière, eh bien, les bateaux de croisière, bien évidemment, les voyageurs, le soir, ils veulent mettre leurs photos sur Facebook. Et pour ça, il faut de la connexion. Donc, soit le bateau est près des côtes et il a de la 4G, ou même dans le port, peut-être du Wi-Fi, mais quand il est au large, eh bien, il faut du satellite. Si on prend l'agriculture de précision, vous savez sans doute parfaitement que, eh bien, il faut mettre des intrants, donc des engrais, et que si on peut surveiller depuis l'espace, alors soit avec des drones, soit avec des avions, mais le satellite est quand même beaucoup moins cher, c'est un peu moins précis, mais beaucoup moins cher, en tout cas complémentaire des drones, eh bien, on arrive à faire de l'agriculture de précision, c'est-à-dire savoir où mettre des intrants dans une parcelle, parce que depuis l'espace, on peut mesurer ce qu'on appelle la vigueur de la plante, et donc ajuster. Les engrais au juste besoin. Je ne parle pas de la météo que vous connaissez, je ne parle pas de l'IoT, on en a déjà parlé. La santé, alors la santé aussi, c'est un peu surprenant. C'est quoi le lien entre la santé et les satellites? Alors, avec les satellites, on ne peut pas voir les microbes, même pas les moustiques, mais pourtant, on est capable de prédire des épidémies. Pourquoi? Parce qu'avec les satellites, on voit les conditions environnementales, que ce soit de météo ou justement. Des conditions qui sont favorables au développement des moustiques, et on sait que tant de temps après, ben, il y aura une épidémie de telle et telle maladie parce que les conditions environnementales sont favorables. Alors, bien sûr, dans la santé, il y a aussi tout ce qui est santé à distance, hein, télésanté, ou e-santé, pour lesquels il faut donc des moyens de télécom, notamment dans les lieux isolés, pardon, comme dans les îles en Polynésie ou en. Bref, là je ne parle pas du véhicule autonome qui a besoin de géolocalisation très précise. Parce que voilà, par exemple, je prends un autre exemple quand même qui est intéressant. On va voir les acteurs des véhicules, des équipementiers automobiles ou des constructeurs automobiles qui travaillent sur le véhicule autonome. On leur demande si ils utilisent du spatial et ils nous disent, ben oui, le GPS, hein, ce qu'ils appellent le GPS ou le GNSS, c'est sympa, mais c'est pas assez précis. Bien entendu, pas assez précis, pas assez fiable. Donc nous, on leur dit, mais si on vous donne une solution qui a mieux que 10 cm, et qui est intègre, c'est-à-dire qu'elle est capable de certifier que la mesure qu'elle fait est la bonne, ou alors de dire bah, je ne suis pas capable de me positionner, mais au moins la mesure est intègre, est-ce que ça vous sert? Alors là, évidemment, ça change la donne, complètement. Parce que, bien entendu, la voiture aura des capteurs, des caméras pour voir les piétons et autres, mais si elle a un moyen indépendant de savoir où elle est, à mieux que 10 cm près, évidemment, c'est extrêmement important. Alors là, tout de suite, ils me disent, oui, mais il faut que ça coûte moins que 50 euros. Parce que dans le modèle économique d'une voiture, 50 euros, c'est déjà beaucoup. Bref, voilà, je vous prends juste quelques exemples comme ça, mais en fait, le spatial est partout, il est dans votre poche au quotidien, et notre président directeur général bien-aimé a coutume de dire qu'on utilise en fait énormément de satellites tous les jours sans le savoir. Et donc, Connect by CNES est là pour ça, pour toujours désacraliser le spatial, le démocratiser, mais surtout aider toutes les entités, que ce soit les industriels, des collectivités territoriales, un grand groupe, peu importe, à utiliser donc les technologies spatiales. Donc c'est ce qui est illustré sur cette planche-là. Vous voyez, en bas on voit les différents secteurs, l'agriculture, l'assurance, la santé, le transport, et là-haut on voit les infrastructures spatiales. Et Connect by CNES permet de faire le lien entre ces deux mondes,
C'est-à-dire qu'on est organisé avec ce qu'on appelle des marketeurs, donc des gens qui sont technico-commerciaux, si vous voulez, qui vont au-devant de ces différents secteurs, agriculture, assurance et autres. Ensuite, on a des responsables sectoriels. Donc, dans l'équipe, on a par exemple Madame Santé, qui parle parfaitement le langage de la santé, qui connaît bien les acteurs, qui paye, quels sont les problèmes, quelles sont les solutions spatiales qui s'appliquent. On a Monsieur Mobilité, donc, qui connaît tous les acteurs de la mobilité en France, qui connaît leurs problèmes, qui sait qui paye quoi, et qui connaît VDCOM, qui est l'institut qui réunit les différents acteurs, enfin les constructeurs automobiles, les équipementiers automobiles, etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Le troisième étage de la fusée, hein. Le premier, c'est les marketeurs, le deuxième, c'est les responsables sectoriels. Et ensuite, on a des experts techniques, quand le sujet devient très technique. Donc, est-ce qu'il s'agit d'observation de la Terre? Est-ce qu'il s'agit d'imagerie spatiale? Est-ce qu'il s'agit de géolocalisation? Est-ce qu'il s'agit de télécommunications? Et donc, ces gens-là, ils ont non seulement l'expertise, ils connaissent tous les systèmes, mais ils savent aussi, ils ont des moyens techniques pour tester les différentes solutions. Par exemple, si vous prenez un droniste, qui souhaite avoir un lien, une liaison avec son drone, donc en général, ça passe par la 5G, ou des réseaux terrestres. S'il est un petit peu au-delà de l'horizon, ben, la loi lui impose d'avoir un lien avec son drone et de pouvoir reprendre la main à tout moment. Et donc peut-être que là, il a besoin de satellites. Mais il ne connaît pas les différentes solutions, combien ça coûte, quelle est la bande passante, combien ça pèse, combien ça consomme. Et donc il vient nous voir. On lui explique les différentes solutions, donc il développe sa solution, puis après, il faut le tester. Et là, il n'a pas forcément un satellite sous la main. Ben, nous, oui. Donc voilà, donc avec nos moyens techniques, eh bien, on peut tester sa solution, on le fait très régulièrement avec la sécurité civile par exemple, et ensuite, eh bien, ça peut être industrialisé. Voilà encore un exemple. Donc voilà, l'objectif de ConnectBackNet, hein, c'est de connecter le spatial, donc toutes les technologies spatiales, les solutions spatiales avec l'économie, les différents secteurs de l'économie, pour développer donc la communauté des utilisateurs du spatial. On a choisi trois thèmes prioritaires, mais en fait on les adresse tous, mais on a quand même trois prioritaires, qui sont l'environnement, la mobilité et la santé. Et dans l'environnement, on met l'agriculture. Et donc aussi, on fait ça aussi à l'export, donc on aide nos industriels à l'export, donc avec Business France ou avec d'autres organismes qui sont orientés pour l'international. Donc ConnectBackNet devient une offre de services d'accompagnement. Donc voilà, comme on l'a dit, sur les différents thèmes qui sont là, mobilité, santé, environnement, et on peut adresser les startups, les PME, les grands groupes, les collectivités, les acteurs publics, enfin, etc., etc. Et donc avec un volet international. Il y a différents volets dans ConnectBackNet, dans cette offre de services. Le volet le plus important, le plus connu, c'est ce dont je viens de parler, c'est l'expertise, hein, de nos experts. Je ne l'ai pas dit, ça représente 60 personnes à peu près, ConnectBackNet, entre les marketeurs, les techniques commerciaux, il y a une poignée qui sont sous la direction de Christelle. Il y a les responsables sectoriels, il y en a aussi une poignée. Et puis, il y a trois pôles d'expertise, donc imagerie, géolocalisation, télécom. Et en gros, ça représente 60 personnes. Donc, c'est un vrai, réel effort de la part du CNES avec un vrai budget derrière. Donc, ce n'est pas juste, tiens, c'est sympa, on met ça en place pour faire comme si. Non, 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 c'est une vraie volonté du CNES de soutenir l'économie grâce aux solutions spatiales. Excuse-moi Donc, c'est le Frédéric, il y premier a... volet, donc je reviens. Pardon. Oui, excuse-moi de te Oui. couper. Christelle propose de passer le film aussi en parallèle. Donc, quand tu auras fini de présenter cette slide, peut-être de basculer sur la vidéo. Donc, je termine juste cette slide. D'accord, ok, pas de souci. Donc, le premier volet, c'est l'expertise. Dans les trois domaines que j'ai cités, c'est quand même le volet le plus important. Notre métier, c'est quand même d'être expert technique. Il y a un volet financement qui est extrêmement important parce qu'on ne fait rien dans le développement économique si on n'a pas de l'argent. Et donc, eh bien, on connaît bien les différents guichets au niveau régional, au niveau national, au niveau européen. Et on a nous-mêmes au CNES certaines lignes budgétaires que l'on peut activer pour aider, soutenir, financer un projet, etc. Donc, ça, on a un gros volet financement qui est très important. Il y a un volet formation parce qu'on est très souvent sollicité pour expliquer c'est quoi les satellites d'observation de la Terre, à quoi ça sert, comment ça marche, où est-ce qu'on peut récupérer les images, la géolocalisation, est-ce qu'on peut faire du 20 cm, du 10 cm, bon bref. Donc alors on fait pas des formations académiques, hein, c'est des sensibilisations, enfin, on appelle ça quand même de la formation. Tout ce qui est promotion, donc nous-mêmes on va à des salons à droite à gauche, on présente le spatial, les solutions spatiales et on peut accueillir des start-upers ou des partenaires avec lesquels on travaille. Et le dernier volet, donc c'est tout ce qui est incubation, idéation. Donc on a choisi au CNES de ne pas avoir d'incubateur. Donc on n'a pas d'incubateur au CNES, mais on travaille avec des réseaux d'incubateurs, notamment les réseaux ESADIC. Par contre, dans le domaine de l'idéation, donc qui alimente ensuite les incubateurs, on a inventé un concept qui s'appelle Acting Space, un hackathon, qui se déroule tous les 2 ans.
et qui consiste à créer sa start-up en 24 heures à partir d'une solution spatiale ou d'un brevet du spatial. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Axiom Space, je suppose que vous l'organisez aussi chez vous. C'est absolument mondial. Donc, il y a plus de 3500 personnes qui participent, je crois que 800 équipes, un truc comme ça. Et ça a lieu tous les 2 ans. Et ça marche très bien. Bon, peut-être on peut lancer les vidéos, puis je. Si c'est ça, tu as la vidéo qui est dans la 2 slides avant. L'un des challenges aujourd'hui pour le CNES, stimuler l'émergence de nouveaux secteurs d'usage sur l'ensemble de nos territoires à partir de nos données et technologies spatiales. S'ouvrir à de nouveaux acteurs, soutenir le développement économique, environnemental et sociétal de la France, c'est le défi de notre programme d'accompagnement Connect by CNES. Imaginez des solutions innovantes au service de la santé, de l'environnement et de la mobilité. Nous mettons nos données et notre expertise au service de votre créativité. Inspirez-vous. VDCOM, c'est un institut pour la transition énergétique, et en l'occurrence dans le domaine de la mobilité, dans le domaine des transports. Pour vraiment conjuguer les mobilités les unes avec les autres, les véhicules les uns avec les autres, les piétons avec les véhicules, les cyclistes avec les véhicules, il est important de savoir où chacun se trouve. D'où l'enjeu majeur de la géolocalisation, soit en termes de sécurité et d'efficacité. VDCOM dispose d'une vraie longueur d'avance, car le CNES a développé notamment au travers de Galileo une technologie qui est vraiment unique au monde et qu'on ne trouve pas ailleurs. Et avoir accès à cette technologie et aux chercheurs, ça nous permet d'accélérer côté VDCOM la mise en service de véhicules qui sont les plus avancés au monde. Le SAMU, c'est le service d'aide médicale urgente. Les gens appellent le 15, en fait, qui est le numéro quand on a une urgence médicale. Il y a également un deuxième type de mission qui est extrêmement important et qui concerne la gestion des grands rassemblements et la médecine de catastrophe. On va être obligé de monter un poste médical avancé et c'est là où le véhicule satellitaire prend tout son intérêt puisque ça nous fournit un réseau hospitalier stable et sécurisé et ça nous permet d'arriver très rapidement sur les lieux, de déployer un seul véhicule et d'être parfaitement autonome dans tous les aspects de gestion, de commandement et de supervision de crise. Kermap, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le traitement de l'imagerie satellite. C'est produire de l'information géographique à partir d'imagerie satellite, modéliser le développement du végétal à partir de ces images, et enfin, c'est anticiper et prédire l'impact de futurs aménagements sur le territoire. Cette connaissance nous permet de modéliser finalement l'impact de la végétation sur le climat urbain. On arrive notamment en fait à connaître l'impact du végétal pour réduire la température lors d'événements caniculaires en été. Les équipes du CNES sont très réactives. La collaboration avec le CNES, c'est aussi en fait des opportunités de financement pour venir soutenir notre activité de R&D. C'est aussi en fait un gain de visibilité important. Et enfin, le CNES, c'est aussi une garantie d'un savoir-faire qui est reconnu à une échelle internationale. Pour une ville comme Montpellier, l'observation de la géographie, l'évolution de sa géographie au cours du temps, sert à l'aide à la décision. C'est en fait connaître pour décider, connaître pour prévoir. Les outils d'observation satellitaire sont importants parce que ce sont des méthodes rigoureuses qui se reproduisent dans le temps et elles permettent d'avoir des documents fiables pour observer ces évolutions. Alors, le CNES connaît déjà tout l'écosystème des entreprises sur tel et tel sujet. Elle connaît les entreprises qui travaillent sur l'agriculture, celles qui sont en capacité de développer des applications en aménagement du territoire. Donc elle peut nous mettre en contact, qui nous permet de développer des applications dans le domaine de l'urbanisme, de l'agriculture, de l'environnement. Alors les bénéfices pour nous de ce partenariat avec le CNES, c'est surtout l'apport de données gratuites, régulières, mais aussi l'expertise technique que le CNES peut mobiliser autour de ces sujets. Que la France dispose de cet atout me paraît très important pour nous, collectivités locales. Connect by CNES accompagne la réussite de vos projets en lien avec le spatial. Collectivités, grands groupes, start-up, nos équipes d'experts sont là pour répondre à vos besoins techniques et pour vous guider dans la concrétisation de votre projet. Trouvez le bon guichet de financement, accompagnez les phases d'idéation et d'incubation, stimulez les partenariats nationaux et internationaux, définir un programme de formation adapté, donner plus de visibilité à vos initiatives. Connect by CNES, c'est aussi le pouvoir de mailler la France, la Guyane, l'Outre-mer, l'Inde, Singapour et l'international, en s'appuyant sur un puissant réseau de partenaires.
Notre vocation, vous aider à innover pour développer votre activité. Frédéric ou Christelle, si elle arrive à nous rejoindre. Vas-y, Christelle est là, très bien. Sinon, je peux continuer. Pas de souci. Tu m'entends, David ? Oui, oui, très bien. Je te laisse conclure aussi, parce que du coup, on est déjà à 14h37 et à 55 minutes de conférence. On approche de la fin, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je présentais les différents volets de Connect Blackness, mais ils ont bien été expliqués dans le film. Et comme le dit le film également, on ne fait pas ça tout seul. On a des partenariats privilégiés, on a des partenaires, notamment tous les boosters dont vous faites partie, les régions, les agences de développement économique en région, etc. Donc je ne vais pas les lister, ils sont sous vos yeux. Donc voilà, on fait ça parce que ce sont des entités qui sont proches de certains écosystèmes et c'est comme ça que ça nous permet d'adresser ces écosystèmes sans remplacer donc ces partenaires, mais en les appuyant, en les aidant sur tout ce qui est technologie spatiale. Voilà. C'est ça notre objectif. Et quelqu'un a parlé tout à l'heure du CEVA, on a aussi un partenariat avec le CEVA Tech qui fait un petit peu la même chose, bon, de façon, j'allais dire, commerciale. Nous, c'est gratuit, je ne l'ai pas dit, mais Connect Blackness, nos supports sont gratuits. Le CEVA Tech, c'est un petit peu la même chose, mais c'est payant parce que c'est plus professionnel, ils mettent à disposition leurs brevets, etc. Voilà, donc des partenariats un peu partout. On a aussi un Connect Blackness en Guyane. La Guyane est un territoire particulier, donc on a une attention particulière pour ce territoire. On fait le lien avec les différents projets du CNES, comme le SCO, par exemple, le Space Climate Observatory, qui est un gros projet du CNES, et qui n'a de sens que si on allie les données spatiales d'observation globale de la Terre et du climat avec les conséquences en région. Donc c'est aussi important d'avoir des réseaux en région. Voilà, donc je ne vais pas détailler tous les partenariats, ce serait trop long, mais vous avez tous les sites ici, vous pouvez nous poser des questions. Et j'avance. L'accès à la donnée, donc c'est un sujet important. On a tout ce qu'il faut au CNES, on a ce qu'on appelle PEPS, c'est-à-dire l'ancêtre des DIAS. Alors, je ne sais pas si vous parlez des DIAS, c'est les guichets d'accès aux données du programme Copernicus. Copernicus, c'est le programme de l'Europe qui a mis en place des services qui utilisent de l'imagerie spatiale, donc de l'imagerie optique, radar. C'est complètement opérationnel, c'est pérenne sur 30 ans, c'est gratuit. Et donc, c'est un vrai bénéfice pour les services qui utilisent des données spatiales parce que justement, ce qui leur manquait, c'était d'avoir cette pérennité. Et en plus, comme c'est gratuit, mais sur un modèle économique, est plus simple. PEPS est l'ancêtre de ça. Et donc, maintenant, on s'en sert comme bac à sable. On a toutes les données aussi des programmes Copernicus chez nous au CNES. Et donc, on peut accueillir des projets, donc des gens qui ont des projets, qui veulent tester des choses, on peut le faire chez nous. Et quand le service est mature, eh bien, ça passe sur les DIAS, parce que bien entendu, on n'a pas vocation, nous, à héberger de façon commerciale des services. Voilà, donc on est en lien avec les différents DIAS, avec les pôles de données thématiques scientifiques, comme TEIA, ODATIS. Donc TEIA, c'est pour toute la surface continentale, ODATIS, c'est pour tout ce qui est données maritimes, formataires, c'est plutôt la géologie, AERIS, c'est pour l'atmosphère. On est en lien avec l'IGN, avec plein de partenaires. Bref, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à utiliser la donnée spatiale, l'imagerie spatiale si besoin.